Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 novembre. Je vais vous faire une petite vidéo ouverture de courrier pour le mercredi 1er décembre, car, donc pour la semaine prochaine, car il me reste une vidéo à faire pour la semaine prochaine. Après, il faudra que je regarde dans mon agenda les places qui me restent. Enfin, les jours qui me restent pour filmer pour ces jours-là. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Donc, j'ai deux ouvertures de courrier à vous faire. Donc, la première enveloppe me vient de Josette D. C'est pour un échange de Kiss. Voilà, de cartes Kiss. Voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer l'arrière parce que c'est quand même assez personnel. Et il va falloir que je récupère un timbre pour mettre derrière la carte Kiss. Voilà. Donc, je vais essayer, voilà, de ne pas tout montrer les informations. Voilà, le timbre, je dois le coller ici. Donc voilà sa jolie carte Kiss. Donc elle l'a fait sur le thème de Noël. Elle a mis une petite bougie ici, des cadeaux ici. Elle a marqué son Kiss ici. Un sapin de Noël, un sapin quoi, avec plein de demi-perles comme si c'était un vrai sapin. Une petite fleur ici en guise de d'étoile. Elle a mis un petit chocolat chaud, un petit bonhomme de neige qu'elle est venue mettre des demi-perles. Voilà. Des strass plutôt. Et une petite découpe où elle est venue marquer joyeuse fête. Voilà. Donc ça, c'est pour l'ATC. Pour l'ATC, l'ATC, moi. Pour la carte Kiss. Je décale un peu. Ensuite, ici, elle m'a mis une jolie petite ATC sur le thème de Noël, donc avec un Père Noël en mousse de chez Action. Après, je vais revenir sur la Kiss. Des petites étoiles, un cadeau, deux découpes avec un tamponnage Merry Christmas. Alors là, je pense que c'est elle qui a dû faire son fond. Certainement avec des chutes de papier qu'elle est venue vieillir, je pense. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu de plus près. Et sur la carte Kiss, elle est venue utiliser de la pâte à structure, je pense, pour faire son fond elle-même. Et par-dessus, elle est venue également mettre des étoiles. Donc, je pense qu'elle a dû faire son fond avec de la pâte à structure ou de la pâte effet neige, peut-être, je sais pas. Voilà. Et ensuite, elle m'a fait. Ça, par contre, voilà, c'est ce tag-là que j'ai pas trouvé là, que j'ai pas trouvé, pardon, parce que c'est le seul tag pochette, l'un des tags que j'ai pas trouvé. Voilà, c'est celui-ci. Ça fait une pochette et je ne l'ai pas trouvé. Donc, je peux vous montrer l'arrière parce qu'il n'y a rien. Elle a mis un petit tamponnage Merry Christmas ici et un stickers, enfin un die cut monté sur mousse. Pour le mettre en relief. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup, Josette, pour ton envoi. Ensuite, nous allons passer à l'envoi de. Comment s'appelle déjà? Je sais plus. Je sais plus. Je vais vous dire son nom. Donc, c'est la deuxième kiss que je reçois. Donc, je l'ai reçue aujourd'hui, celle-ci. Je ne vous montrerai pas l'arrière où il y a les informations. J'essaierai de vous montrer l'emplacement du timbre. J'allais vous afficher son adresse. C'est pas le but. Alors, je vais cacher ces informations. Donc là, bon, c'est un papier imprimé où qu'elle est venue imprimer avec ses informations. Et là, il y a un timbre comme ceci. Et je mettrai son timbre en haut. Donc, voici sa carte Kiss. Donc, très très jolie Kiss. Et ce papier, ça me parle parce que j'ai exactement le même.
Donc c'est là, elle a mis le numéro 11. Donc ça doit être son... Ouais, c'est sa kiss numéro 11. Qui elle est très 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 jolie. Et son kiss, il est juste ici. Alors sur le papier de chez Action, parce que ça c'est un papier de chez Action, elle est venue faire les contours en fausse couture. Elle est venue tamponner ou faire à la main des petits flocons de neige. Elle est venue faire un petit coup de découpe avec une perforatrice ou un test de bordure. Voilà. Elle est venue en fait mettre un petit bout de papier coloré, donc en couleur craft. Elle a mis ici un joli sticker ours et un joli sticker renard en tag, on dirait bien. Et elle est venue tamponner ici Be Merry et un tamponnage dièse 11. Voilà. Donc elle est très 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 jolie. Je vous la remonte plus en détail de plus près. Voilà. Très très jolie également. C'est ma deuxième. Et je vais venir après rajouter les timbres à l'arrière. Et ici, elle m'a fait une jolie Memory Dex dans le même esprit que la carte Kiss. Donc il va falloir que je lui en fasse une parce que moi quand elle m'en a parlé, j'avais déjà fait mon enveloppe et elle était déjà partie. Donc je lui ai dit que j'en ferai une. Donc il va falloir que je lui en fasse une. Donc voilà, pareil, elle a fait pareil, le même système que pour la Kiss. Alors elle est venue faire les contours avec des pointillés de fausse couture. Elle est venue mettre des tamponnages bimérie et après elle est venue faire avec certainement une perforatrice des petits fanions comme ça. Elle est venue mettre le même papier de fond dans le truc ici. Alors, on le voit ici, vous voyez, je sais pas si vous allez le voir, mais comme quoi qu'elle a mis le papier de déco derrière et elle est venue mettre un petit die-cut ou stickers. Voilà. Et avec le même ours sur la Memory Dex. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, il va falloir que je lui fasse une Memory Dex pour la mise. Parce que du coup, je ne lui en ai pas fait. J'avais déjà fermé l'enveloppe et j'avais déjà envoyé mon courrier. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très vite. J'ai encore une vidéo à vous faire. Je pense que ça sera soit pour le mercredi, soit pour le jeudi 2, pour l'après-midi. Je vais voir parce que le matin, j'ai déjà une vidéo. Donc je vais voir, j'essaie de caler un peu mes vidéos un peu là où je peux les caler. Et on se retrouve très prochainement. Bye bye!